Salut à tous, aujourd'hui on va vous parler du livre « Il n'y a pas de place chez nous ». Alors c'est un livre très intéressant, mais plutôt triste, on va vous expliquer après. Et les auteurs sont André Poulain et Enzo Laure Mariano. Et c'est fait du Québec et de l'Amérique. C'est la maison d'édition qui est Québec-Amérique. Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire? Je vais vous lire quelques pages. Plusieurs, mais pas beaucoup quand même. Les enfants pleurent tout le temps. Les parents ont peur. Les vieux ne dorment plus. Il y a trop de bombes et trop de sang. Les familles n'ont plus le choix. Elles doivent quitter leur maison, leur ville, leur pays. Dans le bateau, Marouin et Térec grelottent. Les deux frères sont désormais des sans-pays. Et tu voudrais nous raconter la suite? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Eh bien, quand ils arrivent au premier pays, il crie, eh oh, il n'y a pas de place chez nous. Et là, ils pensent que les personnes sont sourdes parce qu'ils ne leur répondent pas. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire. Est-ce qu'ils font plusieurs endroits? Oui. Oui, partout, qu'est-ce qu'on leur dit? Ben, des fois rien, des fois non, ça dépend. En général, on leur dit, il n'y a pas de place chez nous. Oui. Puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, il se passe... qu'ils trouvent enfin un pays où habiter. Alors là, tout à coup, les gens sont gentils, ils les recueillent à la maison, c'est bien ça? Oui. Ouais. Alors, c'est une histoire vraiment différente de ce qu'on lit habituellement dans les livres de littérature jeunesse. C'est une histoire, donc, de 100 pays, de migrants qui quittent leur pays parce que... Pourquoi ils quittent leur pays? Parce qu'il y a beaucoup de guerres dans leur pays. Voilà, donc c'est super intéressant comme ça de pouvoir en parler aux enfants d'un point de vue différent. Est-ce que tu nous montres la couverture une dernière fois? Je voulais vous montrer un peu en détail aussi. Le titre est ici. Les auteurs sont là. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le Québec-Amérique ici. Super. Je vais vous montrer quelques illustrations. Alors, c'est ici qu'ils sont sourds. En fait, ils ont l'impression que les gens sont sourds parce qu'ils ne les écoutent pas. Comme ça. Et la fin. Il y a ça. Découragé, les sans-pays repartent en mer. La dernière page. Et voilà. J'espère que ça vous a plu.